West. Bah voilà, le titre du live, ça va être Titan Quest, point d'exclamation. Un titre très très original, en fait, j'ai juste fait qu'effacer le début du reste. Bon, on en était où? Alors, lui. Brisez-tu. Soin max. Répétez. Soin max. Glace X. Le skin d'ange est probablement un des meilleurs de la liste des skins sortis. Ah, ça m'intéresse. Même si j'aime beaucoup ces skins Valkyrie. Mais j'ai pas joué depuis longtemps. Le problème, c'est que vous aimez pas trop quand je joue Overwatch en stream. Si c'est pour faire. Il y a plus de monde quand je joue à Titan Quest. Ou à Dokkan. Bon, on en était où, nous? On en était où? N'oubliez pas d'utiliser la touche Alt pour afficher le nom des objets. Oui, non, ça s'en fout. Hop. Ah, on n'avait pas parlé aux gens dans la ville? Les nouvelles de toute la Grèce ne rapportent que les mêmes récits de destruction. Ces créatures errent partout. Que peuvent faire les petits villages? Les Spartiates ne peuvent pas nous protéger tous. Très bien. Des petits zombies. On avait tout fait dans cette ville ou pas? Je me souviens pas. Je pense que j'avais tout fait dans la ville, mais je suis pas sûr. Je chante maintenant, mu. Oui, je l'avais fait. Je l'avais fait. Donc à quoi ressemble la map? Bon, en fait, si on peut partir par là, ou par là, ou par là. Oui, en fait, il y a un million de trucs. Si on partait par le bas, et puis on remonte et on voit où ça nous mène. Ça m'a l'air bien. Merci de nous poser quelque chose de différent au lieu des jeux populaires qu'on trouve partout. Attends, je suis sur la mauvaise sortie. On va les laisser en vie exceptionnellement. Moi, j'ai eu envie de faire ce jeu, ça fait très longtemps. Ah, Karim. Sombra. Attends, il s'appelait autrement, non? C'est Sombra? Non, c'est pas Sombra. Comment il s'appelait? Venez, mes zombies. Allez, un petit stun. Voilà. Très bien. Ok, donc c'était bien enfoncé. Voilà, là ça devrait être bon. Ça devrait être tout bon. Bon, je suis embêté. Parce que j'ai un très gros fight à faire sur FFBE. Attendez, faut juste que je change un truc. Et je suis à vous. Il faut que je mette une résiste. Qui est-ce qui peut mettre une résiste? Toi, tu peux mettre une résiste. Équipement. Aptitude. On va enlever. Tu insectes. Pour mettre. Anti-foudre plus. Voilà. Retour. Ok. Hop. Et on verra. Tu es grand fan de Divinity? Non, mais j'aime bien. Non, grand fan, ce serait exagéré. Il peut pas passer par là. Mais il est trop beau ce jeu, moi j'adore quoi. Tiens, si vous voulez voir, pour ceux qui jouent à FF, je vais vous montrer le boss final du Colisée. Hop. C'est lui. Voilà le boss final du Colisée en pro qui vient de sortir. Donc je ne l'ai jamais fait encore. C'est le gros boss du dernier niveau du Colisée. Alors. Continuer de longer le bord. Ah mais c'est vrai que. C'est comme ça, oui, voilà. Mort vivant un peu partout. On switch, on stun. On défonce. On leur vole dans les plumes. C'est moi où le perso de crâne court bizarrement. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Donc l'arc cheaté. Lui, il va très très doucement. Et quand il meurt, il met une zone de poison, je ne sais quoi. On va faire attention parce qu'il peut y avoir potentiellement des morts-vivants qui sortent du sol. Oui, ce jeu c'est Titan Quest, tout à fait. Alors lui, si c'est comme l'autre, c'est un fou. Non, il va doucement. Non, plus il m'a vu. On est assez loin normalement. Ah, il est pas mort. Salut Kobelosk.
Tu vois, j'ai fait les Baldur's Gate, Icewindel. Baldur's Gate, oui, j'ai fait les, bah, les 4, enfin les 2 plus les extensions. Il y a beaucoup de monde. Lui, il a pas l'air cool. Oui, c'est un mage. Et c'est quoi ces flèches de feu, là? Lui, il a pas l'air gentil non plus. On va défoncer celui. Ça m'a l'air pas cool. Ah oui, lui, il frappe comme un ouf, lui. Ok, voilà, la bannière est vraiment très très cheatée. Hein. Ah non, c'est... Ah oui! Oh, j'aurais pu mourir un million de fois. J'ai plus le, j'ai plus la potion sur le raccourci. Alors, est-ce que c'est ça la potion? Non, est-ce que c'est ça? Ah, c'est pas la bonne potion. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est R. Ok, très bien. Ça s'est bien passé. On va re-switcher sur l'arc, vu que eux, faut les tuer avant qu'ils arrivent au corps à corps. Hop. On va se faire ce petit archer. Voilà, ça c'est fait. Quoi ressemble la map? Il n'y a rien de spécial. Et il n'y a pas un cadeau, parce que c'est bien beau de tout nettoyer comme ça, mais s'il n'y a pas de cadeau, ça limite. Hein. Salut Titi Junior. Il n'y a pas de cadeau, quoi. On est d'accord que ça, c'est tout de la daube. Oui, c'est tout de la daube. J'ai entendu un truc. Non, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Cette zone n'a servi à rien. Il n'y a même pas un truc à ramasser. Bon, bah au moins, j'ai le sentiment d'avoir fait un acte héroïque en permettant aux villageois de pouvoir se rendre... au cimetière sans courir de danger. Ce qui est une récompense en soi. Même pas ramasser un loot. Bon, du coup, on va continuer en longeant le bord. Et on va prendre ce bord-là. Ah! Des arachnéens. J'ai encore mon arc. D'accord que j'ai rien. Ouais, j'ai juste ça, donc c'est pas grave. Alors, des araignées de partout. Ça, c'est le bois d'une potion. Pourquoi je la vois pas? Ah, j'ai peut-être loupé des trucs. L'affichage était pas bon. On va dire que là, c'est bon. Je serais assez curieux d'y retourner, du coup, parce que c'est vrai qu'il y avait absolument rien et mon affichage apparemment était pas bon. Donc ça se trouve, j'ai loupé un truc sur lequel cliquer. Allons-y, baladons-nous. Un message de Nico sur Skype. C'est pas par là. Et nous avons Garvielfan qui rejoint la Glou Family. Merci beaucoup de ton soutien, des bisous et bim. Et bim, le sub, bienvenue à toi, merci beaucoup. Du coup, t'as droit à ton mot, à toi aussi, et ton explication foireuse. Quel sera ton mot à jamais associé? Attention, ton mot, c'est planeur. Un planeur, parce que les dindons aiment bien planer, mais pas en prenant des substances illicites. Et puis aussi, ils font du planeur, parce que les dindons, ça aime bien l'aviation. Voilà. je sais pas. Tu pourras te tatouer planeur sur la fesse, maintenant. Du coup, vu que c'était mal affiché, est-ce que maintenant, quand j'y retourne, on voit des potions qu'on a oubliées? Ou un truc sur lequel cliquer qui file un cadeau. Il n'y a vraiment rien ici. Il n'y a que moi qui trouve ça hyper louche qu'il n'y a absolument rien ici. Marchant en plein milieu. Non mais dans un jeu vidéo, tu mets un endroit, imagine un donjon où il n'y a rien. Tu bloques, c'est obligé, tu bloques, tu te dis. Non, il y a une arnaque, il se passe quelque chose. Pourquoi il n'y a rien dans ce donjon? Alors, c'est quand que t'auras un glaive? Bah j'en sais rien, ils voudront bien m'en donner un. Oh, des petites araignées. Enfin, des petites araignées. Tout est relatif, hein, parce que les petites araignées comme ça dans la vraie vie, ça risque de poser problème.
Crane entre Garviel Fan et ses planeurs et moi, mes bateaux à voile, les dindons ont de quoi faire un tour du monde écolo. Mais oui. Mais tellement. Ok, parfait. Parfait, parfait. C'est extra. Ah, une quête. Mortel, je suis une naïade, un esprit de l'eau. Je m'appelle Pegaea. Mon eau a été empoisonnée. Je suis malade. D'immondes araignées ont trouvé refuge dans une grotte près de ma source. C'est d'elle que vient le poison. Alors, la source empoisonnée. J'ai même pas eu le temps de faire mon combat là, hein. Tu pouvais pas parler plus longtemps. Non mais, parce que moi je parle 2 secondes. Non, je parle toute une soirée, fais un effort. Voilà. Ok, ah bah ça doit être une quête pour aller là-dedans. On va aller voir. Par contre on voit, ah c'est bon. On va faire gaffe. Bon, je sais pas ce qui peut venir, donc on va pull soft. C'est quel level? J'ai pas vu. On verra bien. Bon, ça va, level 4. Level 9, là. Hein. Déjà, c'est moins drôle. C'est bon. Ah, un plastron. C'est cool, ça. Qu'est-ce qu'il donne? 24 d'armure, 18 d'armure, 8% de résistance au poison, plus 6 de dextérité. Ah, bah, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très très bien. Voilà, on a grave la classe. C'est la classe ultime. Oh, ils ont tué mon healer sur Final Fantasy. Comment je fais? Oh, les enfoirés. C'est pas grave, on y croit. Alors, là, il y a un cairn. On va prendre le cairn tout de suite. C'est un cairn de bataille. Oh, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est tellement bon. Allez, vas-y, on va tout défoncer. Il y a quelque chose par là? Ah, il y a des trucs par là. Et là. Profitons du cairn de bataille. La classe arachnéenne, exactement. C'est pas mal la classe arachnéenne, j'aime bien. Ça a l'air très très grand. Des Sioux! Ah, bah quand même. Des loot. Bon, j'avance au pif. Hein. Il a l'air grand ce donjon. Là, il y a du monde. Ah, il y a potentiellement un boss. Voilà. Avouez, c'est génial. Avouez, c'est génial. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Un home renforcé des Sioux. On va regarder ce qu'on a eu. Alors, on a eu ça. 12 d'armure, donc on s'en fout. 24 d'armure, 15 d'armure. Il y a plus 5 de force. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous fait gagner un dégât moyen, mais ça nous fait perdre de l'armure. Ouais, on va dire on s'en fout. On va dire aux F. Level 7 d'abord. Voilà. Cadeau. Un bâton solide de rapidité. La vie, ça va bien. Ok. Alors, on clean pas très très bien. Ah non, j'ai oublié un bas. Par contre, je voudrais faire quand même dans l'ordre. On va faire sur la gauche. Crane, le savais-tu que les araignées conservaient autant de pièces d'or sur elles pour pouvoir nourrir leur progéniture? Bah non, je ne savais pas. C'est une découverte. L'autre doit être plus bas le level. Ouais, j'aurais dû tuer l'autre. Et un level 6. Très bien.
Habit simple d'endurance. À mon avis, ça, on s'en fout. On va quand même regarder. 12 d'armure, 46 de vie. Et un bâton Osef. Tu sais, bestioles, je les aime pas. Ah non, mais voilà. Si on commence à tuer des bestioles parce qu'on les aime pas. Bon, là, c'est dans le jeu. Mais quand même. Alors, oulala. Oulala, ça fait peur. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça fait peur. Non, ça fait peur. Oulala. Je sais pas pourquoi celle-là ne... Oula. Est-ce que je vais avoir besoin... Je perds de la vie, je perds plus de vie. Bon, ça va, tout va bien. Ça s'est bien passé. On a pas mal de loot. Nano d'agilité. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une armure qui est moins bien, selon moi. On a eu ça qui est exactement pareil, mais ça va avec la tenue. Donc, on va changer. Et une arme qui m'a l'air beaucoup, beaucoup mieux. Attends, combien de dégâts? 35, 28. Ah, mais non, elle est moins bien. Comment ça, elle est moins bien? Ah, il y a 3-8 dégâts bonus sur l'autre. C'est dommage, il y avait un proc et tout. Dégâts moyens, 30. Dégâts par seconde, 26. J'hésite. On perd 2 de dégâts. Mais par contre, il y a 37% d'attaque ralentie pendant 3 secondes. Ce qui est quand même pas dégueu du tout. J'hésite. Pas ce que vous en pensez. Est-ce que des fois perdre des dégâts ça peut être intéressant? Oh, j'ai pas fait un petit tweet pour dire qu'on switchait sur attendez, hop, voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Est-ce que le moins 2 de dégâts par seconde vaut le petit proc? Niveau tanking, 37% l'attaque ralentie pendant 3 secondes, ça peut être très très bien. Hein. Et bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Là, je craigne pour le bonus. Allez, on va faire ça. On frappe un peu moins fort. Par contre, on frappe un peu plus vite. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? On va aller visiter. Absolument pas. Et le fait de ralentir les gens quand ils frappent. Et nous avons Edgar Lanton Léopard qui nous dit bonsoir. Et bah bonsoir à toi. 23 mois de soutien, presque 2 ans, des bisous et bim. Et bim le resub. Je rappelle que très bientôt vous allez avoir des badges personnalisés. Enfin personnalisés selon votre durée d'abonnement. Mince, j'ai cliqué en dehors. On peut pas bouger. On peut pas bouger. Ok. Ah, mais les gens ils volent plus après avec. Ça va poser un souci. Un souci de place. Alors, est-ce que celui-là il est mieux? Non, il est pas mieux. Masse en coche. Ça, j'ai très très envie de voir ce que ça fait. Masse. En coche. 17-32 lente. Ouais, bon, moi, je pense que va. Là, par contre, on va. Voilà, je suis désolé, le proc. Mais vu le up damage, hein, on passe de 26 à 34 dégâts. Voilà, on va prendre ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas regardé les anneaux. Alors, on a l'anneau plus 5 de dextérité. On s'en fout un peu. Plus 22 de capacité défensive. Ça, j'ai du mal à savoir ce que ça vaut. Écu renforcé d'agilité. Qu'est-ce qu'il donne? 9% de 47 plus 5 dex et l'autre c'est de la régénération de santé. C'est bien la régénération de santé. Donc c'est le moment où on fait un. Attends, celui-là je l'ai pas vu par contre. Tu ne peux rien porter d'autre. Poser ça par terre. Et c'est celui-là. Plus 13 intelligence, moins 9% réduction de toutes les conditions. C'est pas moche. Mais non. Mais non. Toum toum toulou. Mais non. Toum 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 toum.
Allons vendre. Alors. Non, je ne fais pas un combat en même temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Hop. Anti-foudre. Alors, là, c'est pour mettre des trucs au coffre. Et là, c'est pour vendre. Tu peux drop un portail, si faire un aller-retour pour faire de la place. Oui, c'est ce que je veux. Tu dois bien te préparer. C'est dangereux. Ce que je vais faire. Achète ce dont tu as besoin ici. Tac, 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 tac. Et ça, on va mettre au coffre. Au revoir. Ensuite, on fait un petit brise tout. Là, on va faire ça. Et là, on va faire un soin max. Bonne journée à vous. Je viens de passer ma Lightning 6 étoiles. Crane, c'est parti pour le solotage du jeu. Ah, parfait. Ça fait le café, hein, tu vas voir. Ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Ok. Ah, on peut pas ici. Il faut que je le mette dans l'inventaire. Ça fait 4 sur 5, c'est ça. On en est où ? Vos affaires sont en sécurité avec moi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu as essayé de m'entourlouper. Bon bah j'ai réussi le boss S5 du Colisée du premier coup. Voilà. Ça c'est la classe. Épée de géant. C'est pour Bibi. Vous avez atteint le rang le plus élevé parce que vous êtes 3 PGM. Donc lui on va le tuer à distance. Tu as un sub qui dépasse un poil de l'overlay. Oui, mais c'est la faute de Edgar Lehan, ton léopard. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Chose en dieu, si ça, il y a peut-être moyen. Ah non, c'est des choses, donc c'est peu d'armure. Donc non. Qu'est-ce que ça donne au niveau? On n'a pas fait toute cette partie-là. Mais bon, on va continuer de suivre le bord. Là, par là, il n'y a rien. On va faire ça. Et on va... Et on switch, on se fait un petit étendard, on les stun et on frappe. Oui, ça vole. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fini une quête. Une épée courte, tiens. Un home. Ah, un home, ça va avec la tenue. Oh, dis-moi que c'est mieux que ce que j'ai. 24 d'armure, 4 de dex, 57 d'énergie. Mais oui, c'est mieux. Allez, vas-y. On peut pas avoir le bas, là? On peut pas avoir les jambières? Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette arme? 12-15, fais voir. Oh, pourri. Et celle-là, il manque de la dextérité. 11-17. Et ça, c'est de la daube. Ah, il nous manque juste les jambières, quoi. Ah, je crois que je viens de boire une potion en appuyant sur ma souris. Donc, apparemment, il y a un bouton de ma souris qui serait lié à une popo. Il n'y a pas un petit coffre ici? Eux, ils étaient. C'était des méchants sans coffre. Yop, des Bélani. Ok. Là, on a tout tué. Donc, logiquement, on a tout fait. Donc, il nous reste cette partie. Avec un coffre décoré. On va y aller maintenant. On est tellement fort. Essence de la valeur d'Achille. J'aime bien la façon dont il vole. Ok, donc pas de jambière. Un beau coffre. Ah, des jambières.
Il n'y a pas de jambières, que des jupettes et des bottes. Oh la tristesse. Tu n'as plus de place. Oh bah non, j'ai plus de place. Oh, j'ai plus de place. Et c'est quoi? C'est une étole simple. Ouais. Vas-y, on va vendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi ça marche pas directement? C'est ça, Mifujiwara. Elle est quand même beaucoup plus classe, ma tenue. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'un seul coup, je suis devenu beaucoup, beaucoup plus classe. Si tu dois sortir d'ici, procure-toi un équipement adéquat. Attends, c'était quoi le... ce que je viens de vendre? Ouais, non, c'est moins bien. Hop, 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 hop. Ah, il est mignon, hein. Stacker la régénération de santé, ça doit être tellement bien. Par contre, je perdrais beaucoup de... Mais bon, on va le vendre. Fais voir, je suis curieux. Ah, c'est tout pourri. Et Sam... À la prochaine. Je vais garder vos affaires. Oui, on en a. C'est cela. Et ça y est, on a fait notre premier. Notre premier complet pour avoir un bonus de 4 à 6. Alors attends. Bonus pour avoir complété la relique, 4-6 dégâts, 5 de dégâts, 12% de vitesse d'attaque. Ah, parce que tu peux t'en servir avant, mais t'as plus de bonus si c'est complet. Il n'y a pas de jambière dans l'Empire romain. Mais il y a des bottes. Je suis sûr qu'il y a des... C'est ça, c'est les bottes en fait. Kera vous protège. C'est le summum de la classe, oui, dans la catégorie jupette. Fais ce qu'on peut. On va prendre notre homme renforcé d'agilité. Là, il n'y a rien du tout. Là, il y a des petits billets. Ok, très bien. Qui ne me drop pas leur jambière. Fais voir si je fais ça. Attends, mais... Bah pourquoi ils me les dropaient pas? Écru, masse d'armes, plastron, home. Protège-bras, plastron. Ah, c'est parce qu'ils ont pas de stats, je pense. Bon, je vais quand même me balader, je veux juste voir s'il y en a pas. Plastron. Home. Home. Écu. Ah ouais, peut-être pas. D'un autre côté, je viens de réfléchir. C'est, logiquement, c'est ce que portent les arachnéens. Et il est possible qu'ils mettent pas de... qu'ils mettent rien sur leurs pattes. Ça semblerait assez logique, en fait. C'est une explication tout à fait roleplay. Non, je voulais pas ça. Remets-moi ça par terre. Si je fais ça. Ah, je sais pas quel est le bon mode. On le verra au coffre. Je crois pas le bon, mais c'est pas grave. Je suis tout ralenti. Ah si, c'est bon, je suis dans le bon mode. Hop. Il y a des chaussures pour araignées, je vois pas le souci. Oui. Je pense qu'on a tout fait là. Ça semble être terminé. On va regarder les loots qu'on a eu. Un anneau qui file 46 d'énergie, on s'en fout. Ça, 6 de force, 19% d'annulation d'énergie, mais on s'en fout. Et ça, c'est probablement tout pourri. Voilà, on s'en fout. Yop, Véloce Princesse. J'aime beaucoup la transition monde extérieur donjon. Tu as nettoyé la grotte de tout poison. Mes os sont à nouveau purs. Alors, récompense plus 75 de santé, 1500 points d'expérience, santé et énergie restaurée. Bah merci, c'est gentil donc. Moi j'aime bien les bonus de santé comme ça.
Dommage qu'il n'y ait pas des quêtes qui affectent le monde extérieur, genre les araignées, le repas, et tout comme ça. Bâton, manchon, endurci. Je pense qu'on s'en fout, on s'en fout. Et le bâton, on s'en fout. On va essayer de tout bien nettoyer. Quel level? Level 4. Ça croque sous la dent. Tu devrais avoir 8 fois plus de chances de drop des jambières. Mais non, si tu regardes, elle ne porte pas de jambières. J'ai l'impression qu'on est plus bourrin. Hein. Le petit up de stuff là nous a fait vraiment un bien fou. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Des petites araignées. J'ai l'impression que j'ai du mal à les toucher des fois. On défonce, elle m'en fait plus mal que les grosses araignées. Bah ça a l'air bon. Yep, cette zone là, ça a l'air bon. Et donc, ah bah ça se trouve, c'est une zone. C'est une zone fermée. Ouais, j'ai du mal à les toucher certaines, j'ai l'impression. Oui, c'était une zone fermée. Donc avant d'attaquer le reste, on va se faire un petit... Pas un petit épée, on va vendre en fait. Avant, je vendais des charrues et des fonds fermiers. Que les dieux veillent sur vous. Pas de quête en cours ici d'ailleurs? Non. Yop, Aliwin. Quitte en quoi est mon premier jeu du genre, tu me prends par les centimes. Alors. Longeons le bord. Mais non, j'ai déjà fait tout ça. Il ne nous reste plus qu'une seule sortie en fait. Là. Ah, c'est un cairn. On va le faire. Ouais, vas-y. Je vais vous défoncer avec mon bonus. Allez, venez. Cette violence. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir ce qu'il y a par là. Ah, il y a un chemin. Il y a un chemin. Et nous avons Naios. Naios qui sera bonne pour la 10e fois. Reçoive du plaisir. Et oh, wait, c'est l'univers de Maillard. Il y a des araignées de partout, mais oui. Des bisous et bim le resub, merci beaucoup. On a encore le bonus, ou des ruines. Vite, on a encore le bonus. Allons défoncer. On va faire gaffe quand même. C'est mal lui là-bas là. J'ai un peu fait le cow-boy, hein, je tiens à le dire. Où ça va? C'est passé. C'est passé. J'ai pas voulu faire dans la finesse. Mais c'est passé. Ah, j'ai pas vu lui. Ah, un coffre. J'ai bien, il n'y a pas de coffre. Hop. Alors, il y a un home renforcé, Meosef. Et ça qu'on peut pas porter. Yo Frenesi, est-ce que tu peux aller sur ta liste des quests histoire de remémorer le tout? La source empoisonnée qu'on vient faire. Quête principale, il ne reste que la quête principale. Alors, c'est... Aller à Delphes et consulter Grand Oracle, parler à Timon, à Mégare. C'est la quête principale. Alors, c'est... Donc voilà, mes quêtes secondaires, je les ai toutes faites. Le jour se lève sur Singapour. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Une petite barque. Est-ce que ce genre c'est une petite barque à prendre qui nous emmène quelque part ou pas du tout? Pas du tout les lapins. Bon, pas du tout les lapins. Mais bon, les lapins c'est gentil.
Là, il y a un chemin ici. Je sais pas où je vais. Hein. Je découvre. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Tombeau ancien. Un tombeau ancien. J'ai tellement envie d'aller dedans. Je peux avec un petit... Qu'est-ce qu'il y a de dangereux là? Il y a lui là qui est chiant. Oh, allez, vas-y quoi. Et ça vole. Faut gaffe à la vie quand même. Bon, ça s'est bien passé, qu'est-ce que vous en pensez? C'était bien, j'ai bien aimé. On va faire gaffe au tombeau. Y'a rien. Ah, il y avait un piège. Il y avait un piège à Crane. Rien. Bon, ça c'est un coffre. Logiquement, c'est des cadeaux. Oui. Ah, j'ai pas cliqué dessus. Un autre piège. Et rien du tout. Bah, ils sont pas très très généreux ces tombeaux. Hein. Bon, par contre, si on a récupéré l'étendard. Y'a personne? Bon, y'a personne. Un arc normal givrant. J'aime bien le nom. Allez, je peux pas. Oh, je peux l'équiper. 4-20. Ah, ça n'a pas l'air. Attends. 4-20, 5-14, 2-6 dégâts de froid, ça donne quoi? Bon, on va laisser le plus rapide, hein, c'est les mêmes dégâts. Donc, Osef. On retourne avec notre arc qu'on a looté au level 1, qui est très bien. Petite potion de santé. Bon, un caster, c'est chiant. Un autre caster, c'est chiant. On va voilà, le brain un petit peu. C'est bon. Ok, parfait. Le stun. Est-ce qu'il cogne? Non, ça va. Ils font pas trop mal. Ah, j'ai oublié le truc. Ok, donc là on a plein de loot. Je te souhaite une bonne chance pour la suite du jeu et je te dis bonne nuit. Bonne nuit Titi Junior. Sais-tu comment fait-on pour connaître le sens du vent? Est-ce que ça a un rapport avec l'endroit où on met son doigt? Mince, attends, c'est quoi ça? Oula, héros. J'étais pas prêt, je suis pas prêt psychologiquement. Est-ce que du coup il va venir ou pas du tout? Il a l'air de vouloir venir. Attends. Là déjà je me sens mieux dans cette pièce. Il est level 13 héros. Allez, c'est parti pour la popo. Je nettoie autour. Je sais pas si c'est une bonne idée. Level 15. Ah mais c'est un ouf. Ça se passe bien. Bon, j'ai plus le... Je sais pas s'il peut être stun. Oh, il peut être stun. Mince, j'aurais dû le faire plus tôt. Continue de se heal. Est-ce que je continue de le focus lui ou pas? Tu veux pas le stun? Ah, merci. Ça se passe bien. Oula, 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 du vert. C'est trop level tout ça. Pourquoi il a fallu que ce soit un bâton runique, quoi, le truc vert?
pouvait pas être un truc que je pouvais équiper, quoi. Et me regarder ce que c'est, hein. Oui, joli et tout, en plus. Requiert intelligence 150, je suis beaucoup, beaucoup trop con. Des jambières de spectre, 10% de résistance électrique, plus 70 de vie, 10% de régénération d'énergie, très bien. Non, bah tant pis, hein, c'est ce que je vous dise. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, on a réussi, c'est l'essentiel. Je suis level 8. Défonce dans la joie et la bonne humeur. Level 12, mais je suis trop bas level ou quoi? Level 14. Bon, ça se passe bien, donc c'est pas grave. Au moment il va y arriver un accident. Non, pas vu. Ah, ça va sentir le TP. Parce que j'ai plus de place. Ou une formule mystique. Et un million de trucs à ramasser. Écrure rudimentaire, cuissarde de protection renforcée. Ça donne quoi au niveau de la place? C'est pas très très bien rangé. Est-ce qu'il y a des trucs qui prennent qu'un? Ton inventaire est plein. Armure, non, tout ça, ça prend plusieurs. Ok, bon bah on va vendre. Allons vendre. Bonne nuit, Mélifal. Toujours le guerre rêve. Ouais, je suis en guerre rêve. Pourquoi la potion de santé là? Pourquoi il n'y a pas les petites? Est-ce que de bas ça me fait utiliser des grosses potions peut-être? Alors, plus 60 d'énergie, non, c'est pas bien. Ça, c'est quoi ça? 7, 11, très rapide. Je suis pourri. Non, mais ça demande beaucoup, beaucoup trop d'intel. Quand je pourrais jamais. C'est dommage, c'était mignon. C'était mignon. Et ça, c'était très mignon aussi. Mais. Voilà. Tu dois être content quand t'as ça et que tu peux le porter. 10 000. Ça fait masse thune en plus. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sympas? Eh ben non, pas spécialement. Requiert niveau 8. Elle ressemble à quoi ma masse? C'est le skin d'après. Donc tout ça apparemment Osef. Osef de chez Osef. À la prochaine. Je vais garder vos affaires. Et ça, bah, on en a déjà terminé. Hein. Vos affaires sont en sécurité avec moi. Bah je m'en doutais. Fire Xelox. Allez, plein de cadeaux. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, tu ramasses même plus les loots jaunes. Vu tout ce qui drop. Alors ça file combien? 24 d'armure plus 6 de dex. Donc c'est moins bien. Même si le skin était sympa. 15 d'armure, c'est pourri. Par contre, 102 d'énergie. Beaucoup 102, dis donc. Mais je veux pas le mettre. On a ça. 24 d'armure, 18 d'armure. Donc c'est pas bien. On a ça, c'est moins bien. On a ça, c'est moins bien. Et on a ça, c'est moins bien. Et ça, 8% de résistance au feu aux if. Ok, on a ce tombeau à loot. Où il n'y a rien du tout. On va voir ce qui se passe ici. Voilà. Hop. Hop. C'est good. Et nous avons Ninchovi qui serait bonne pour la 16e fois. 16 mois de soutien. 16 mois, ça n'a pas de prix, Kappa. Sinon, blague à part, j'adore ce que tu fais. Crane, continue comme ça. Merci beaucoup. C'est adorable. Des bisous et bim. Et bim, le resub. Merci beaucoup. Bon, ils sont où les cadeaux là? Il est gentil de mettre des pièges partout, mais à des moments, il faut donner des cadeaux aussi. Bon, bah, les cadeaux, ils sont dans le coffre. Bah, ce sera une potion. Et une petite épée courte, hein. Peut-être que cette épée courte, c'est la révolution de ma vie.
Voilà, très bien. Ça donne quoi? Ça donne qu'on cligne de façon plutôt intelligente. Continuons. Allez, on va aller là. On a tué le gros qui était très dangereux.